Monsieur Tsongchou, c'est à vous. Merci. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je trouve le sujet extrêmement important. J'ai été confronté à ces problématiques de façon, enfin, pas directe, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai été longtemps conseiller municipal d'une ville de province et j'ai travaillé d'ailleurs à l'époque avec une dame qui était chercheuse au CNRS, qui s'appelle Madame Choquet, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et qui avait beaucoup écrit sur la problématique, notamment des jeunes et de la santé mentale. Ensuite, comme dans ma profession, comme avocat, j'ai souvent été confronté à ces questions, notamment les questions d'hospitalisation forcée ou les questions plus délicates encore en matière pénale, de la responsabilité pénale, de la maladie, de la schizophrénie, avec toujours des cas extraordinairement douloureux. Je pense que la municipalité de Paris et le Conseil général de Paris devraient faire un effort d'abord en ce qui concerne dans les écoles, dans le primaire, le repérage immédiat le plus rapidement possible des enfants en difficulté et le soutien à ces enfants en difficulté et à leur famille. Je pense que c'est tout à fait possible. Je sais que c'est déjà fait et je pense que ça doit être amélioré. Deuxièmement, je pense que une municipalité comme celle de Paris doit améliorer compte tenu de l'importance du problème. Hein, parce que, encore une fois, moi je le ressens, je ne dirais pas douloureusement, mais vraiment, c'est vraiment un problème qui m'a toujours beaucoup préoccupé. Je pense que la ville de Paris pourrait faire beaucoup plus, elle le fait, mais pourrait faire beaucoup plus dans l'aide aux structures associatives. Je dois vous dire que pour préparer ce débat, j'ai questionné, moi, un psychiatre, spécialisé d'ailleurs dans les addictions, qui m'a donné un certain nombre de pistes, parce que je ne suis pas un professionnel, et il faut toujours se faire aider. Et lui, par exemple, est tout à fait favorable au soutien le plus important possible aux structures associatives qui peuvent aider ou pallier les structures hospitalières ou les structures de la santé publique que nous connaissons déjà. Je crois d'ailleurs que une des troisièmes pistes pourrait être, parce que j'ai vu que vous l'aviez dénoncé, alors vous avez dit que ça existait bien entendu, mais que ça marchait bien, mais vous avez dénoncé le fait que ça ne marchait pas bien et qu'il faudrait beaucoup l'améliorer, ce sont les conseils locaux de santé mentale. Une troisième piste qui est à envisager, je pense que c'est le Conseil général de Paris qui peut le faire, on contredirait peut-être avec votre spécialisation, mais je crois que c'est tout à fait possible, c'est qu'on puisse favoriser, notamment sur le plan financier, la création de lits d'hospitalisation. Voilà ce que je pouvais dire moi ce soir, sur les pistes qui peuvent être prises en considération dans un programme municipal. J'aurais une question à vous poser. Vous n'avez pas abordé, vous avez abordé les questions financières dans vos propos, mais vous n'avez pas abordé la question du remboursement par la sécurité sociale. Très bien. Parce que nous n'envisageons pas cette possibilité, justement. Quand les personnes viennent nous rendre visite, c'est pour cette raison qu'il est intéressant de travailler avec des étudiants, d'un côté, et des personnes qui sont en difficulté financière de l'autre. C'est que l'étudiant, il n'a pas l'expérience clinique, il a besoin de se former à la clinique. Et la personne qui est dans le besoin, elle a besoin d'être entendue, d'être écoutée, qu'on puisse écouter sa souffrance. Et à ce moment-là, quand elle commence à s'apaiser, l'étudiant, il augmente, il continue à faire ses études universitaires. Quand il termine ses études universitaires, probablement, c'est ça qu'on constate, cette personne qui est arrivée dans la souffrance, elle est beaucoup plus apaisée, elle a réussi à trouver un travail, elle a réussi à finir ses études, c'est-à-dire elle s'engage dans une voie de projet. Et ça ne passe pas par la sécurité sociale. C'est un engagement entre citoyens. Je veux dire ça comme ça. Entre citoyens. Il n'y a pas un engagement...